Le footballeur portugais s'est visiblement rapidement adapté aux coutumes saoudiennes. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et qui fait beaucoup de buzz, on peut voir Cristiano Ronaldo dans un qamis, un habit traditionnel dans certains pays arabes. Comme dit l'adage, à Rome, fait comme les Romains et visiblement, Cristiano Ronaldo suit cet enseignement à la lettre. Il faut dire que le footballeur portugais est un précurseur et il a toujours aimé faire les choses un peu avant les autres. Dernière preuve en date, il a été la toute première star européenne à venir jouer dans le championnat d'Arabie Saoudite. Cela remonte au mois de janvier dernier, quelques semaines seulement après une Coupe du Monde ratée avec son pays et un départ fracassant de Manchester United. Si certains pensaient qu'il serait bien seul dans le pays du Moyen-Orient, ils se trompaient lourdement. Depuis, des dizaines de footballeurs très réputés ont débarqué dans le championnat saoudien, à commencer par Karim Benzema, l'actuel Ballon d'Or et plus récemment Neymar, l'ancien joueur du PSG. S'il découvre un nouveau pays et une nouvelle culture, Cristiano Ronaldo s'est très rapidement plu et peu de temps après son arrivée, il profitait déjà des richesses de l'Arabie Saoudite en compagnie de Georgina Rodriguez et de leurs 5 enfants. En plus de s'y plaire, le joueur de 38 ans va même jusqu'à suivre les coutumes locales du pays, comme on a pu le voir dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Sur le court extrait, on peut le voir se balader dans les rues de Riyad, la capitale, et on peut remarquer qu'il porte le qamis, un habit traditionnellement porté par les hommes dans les pays du Levant, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Une petite vidéo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui a été énormément commentée et beaucoup le félicitent pour avoir suivi les coutumes locales. Son rival de toujours choisit les États-Unis. Tout va donc pour le mieux du côté de l'Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo, qui bénéficie là-bas d'un salaire absolument astronomique. Son rival de toujours, Lionel Messi, a lui décidé d'opter pour une autre destination, les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, il s'éclate à Miami et n'hésite pas à faire part de son bonheur, tout en égratignant régulièrement son ancien club, le PSG. Deux joueurs qui profitent au maximum de leurs dernières années de football, avant une retraite qui s'annonce particulièrement dorée.